to educate the heart. Pour tous les deux. Regardez, le petit cadre est perfecto, perfecto. Bon appétit. Du coup, là maintenant, on rentre à l'hôtel. On va se mettre bien au chaud. On va se regarder un petit film. Ok, regardez la chambre SVP. Il y a des LED. On peut changer la couleur. C'est absolument incroyable. Je suis fan, mais c'est génial! Là, ça va être mon lit, mon père est dans là. Je viens de voir qu'on pouvait se connecter du téléphone à la télé. Je peux démarrer mes petites séries tranquilles. On va se regarder un film, mais ça va être mes pépites. Les quelques petits inconvénients, c'est genre les prises. Il n'y en a que deux, il n'y en a pas là-haut. Du coup, je dois laisser mon téléphone là. C'est très gadget, et en tout cas, moi, la télé et tout. Mamma mia, c'est perfecto. Du coup, petit récap d'aujourd'hui. On a fait petite balade, on est arrivé du coup après 8h19 de route. On a marché un peu quand même, on s'est baladé dans la ville. C'était bien cool. Et on est allé au banc de Nos Étoiles Contraires. Voilà, c'est un film, un livre que j'adore. Il est incroyable. Je mettrai des petites photos, mais c'est perfecto. C'est incroyable, c'est trop bien. Du coup, voilà, puis là on se pose tranquille.
bilan d'hier. Hier, on a fait une visite de musée. C'était un musée d'histoire à Amsterdam. Ça s'appelle le Rijks, je sais pas trop quoi. R-I-J-K-S. Voilà. J'ai remarqué un truc. Je trouve que les gens aux Pays-Bas, genre Amsterdam, ils sont trop beaux. Genre, ils ont tous du style et ça s'habillent trop bien et tout. Du coup, voilà. Je trouve qu'ils sont beaux, les gens à Amsterdam. Sinon, on a fait quoi d'autre? On a fait les boutiques. J'ai acheté un pyjama américain, comme vous avez pu le voir. Tu sais, les trucs 3 carreaux typiques là. J'adore. C'est top, c'est top. Hier soir, on avait la fun de manger au resto. Du coup, on s'est posé dans le lit, clairement, devant la télé. On s'était mis à deux films et on a mangé en fait. Du coup, on était posé, on était bien. Et hier midi, j'ai pas filmé parce que c'était petit, on était grave collé aux gens, c'était un espèce de pub. Ça va, c'était bien. Mais on était vachement serré, genre, t'es marre, il y avait quelques tables. La serveuse ne pouvait même pas passer. Aujourd'hui, de façon pareil, il voulait faire du vélo, mais moi je suis pas sereine. Avec les gens là, moi quand il y a trop de gens, je suis pas trop à l'aise, t'as vu. Du coup, on verra bien. Là, mon père, il veut qu'on aille voir les moulins, je sais pas trop quoi, c'est quoi. On a fait 16 km 6 hier. J'ai un peu mal aux jambes. Du coup, aujourd'hui, si on peut être tranquille, ça m'arrange. Donc bon, voilà. Comme Flores. Regardez la chambre. Je peux changer les couleurs. Red light. On a du vert, c'est un peu clean. C'est vert. On a du bleu. Le rose, il est beau. Ça, mon père, il trouve que ça fait hôpital. Moi, j'aime bien. Hein. Enfin, pas l'hôpital. Je vais vous montrer la vue. Alors, ça c'est la vue. Voilà, c'est un peu pas ouf, mais en vrai ça va. Un régal. Je vois le produit chimique de là. Santé. Je refais la même vidéo. Bon, derniers instants dans l'hôtel. Enfin, dans l'hôtel, dans cet hôtel là. Parce que bon, là on va changer d'hôtel. En gros, là on va à Bruges. Pour aller à Bruges, on a genre un peu plus de 2 heures de route. Quasiment 3 heures, je crois. Et puis bon, normalement, vu qu'on va à Bruges, au moins pour rentrer après en France, pour rentrer chez nous, on aura un peu moins de 8 heures de route. Mais vu que là on va mettre genre quasiment 3 heures et que c'est un peu plus bas et que ce sera plus proche de la France, on aura moins de temps de route pour le retour. Donc c'est bien en même temps. Il y a une Porsche. Regardez la beauté. Mon père a voulu prendre la valise pensant qu'elle était fermée. Non, sérieux. The head of...
Bon, du coup, ça y est. Après 3 heures de voiture, on est en Belgique. On est à Bruges. Là, on est en train de se balader. On va chercher où manger ce midi. The head of misery. One step is all I have to take. That was to be the Il fait trop beau. Same old fool for you I used to be. I'm only à Bruges. Je sais pas si vous pouvez entendre, mais il y a la pluie derrière. Voilà, il pleut beaucoup. Je vais faire un petit room tour de la chambre parce qu'elle est énorme. Elle est gigantesque. Du coup, là, on rentre. Il y a la porte, les petits placards. Et là, du coup, c'est notre grande, belle et blanche salle de bain. Il y a une baignoire et une douche. C'est grand, hein? Là, on arrive, petit espace bureau, on va dire, on a un peu foutu le bordel. Là et là. Le lit, il est énorme. Enfin, genre, en fait, c'est deux lits là. Ils sont séparés ici, mais franchement, c'est énorme. Là, petit miroir. Papa Banks, Papa Banks. Là et là, après, on a la vue. À l'accueil, ils nous ont dit qu'il y avait un espace bien-être. Genre hammam, sauna. Et du coup, vu qu'on a emmené nos maillots de bain, on va aller faire un petit tour. Par contre, petite galère. Il y a la voiture qui garait pas loin. On a laissé les valises dedans. Puis moi, en fait, j'ai pris une valise de 4,5 tonnes. Du coup, forcément, je vais devoir juste prendre quelques affaires parce que là, comment il pleut et comment c'est lourd et comment il y a des pavés en Belgique, c'est la galère. Donc bon, question de demander la wifi. Parce que bon, un monde sans wifi, c'est pas un monde promenade. Je suis barrée. Ça me fait un bout dans cet ascenseur. Il est trop beau. Alors, en tant que... Qu'est-ce que vous voulez, la petite dame? La morue, la sèche, le calamar, le homard. Le homard, il est beau, il est frais. Tu veux le homard? Le homard. 45 kilos. Non, tu me prends pour une folle. Du coup, on n'est pas les bouffons de la cité. En fait, on est parti de l'hôtel pour aller au resto sans parapluie, il pleut. C'est rien, c'est les malais. Voilà, c'est les malais. C'est... Attendez, attendez-moi. Summon, I'm a demon, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is picking off of me and it'll be. Regardez cette belle flaque. Eh, j'ai les doigts de pied mouillés, moi. Eh, je prends l'eau, je prends l'eau. Regardez cette belle place toute propre. Regardez le gros pigeon. Magnifique. Je me soulève pour des... Encore deux tours. Oui, magnifique. Ouais.
escrocs, ouais, escrocs. C'est Patal Bazooka, Patal Bazooka. Quand c'est l'hiver, quand ça fait froid, pop, une chose à faire ça. Écoute ça, représente les arts quand des montagnes. Ton tir, il te laisse sa voix. Sa voix? Non, ça voit pas. Comme vous pouvez voir, je suis un peu mouillée. Ouh, on va voir le bar. Mais c'est trop beau. Par contre, pardonnez-moi, mais c'est choquant. C'est super beau. Ok les amis, vu ce que je viens de découvrir là, j'ai oublié d'aller faire un tour de l'hôtel. L'hôtel il est immense. On dirait un château, je pense que c'est un château. Il est incroyable, du coup je vais faire tout le tour. Toute seule, mais vas-y, je vais faire tout le tour là. Du coup là, vous allez découvrir en direct avec moi l'hôtel. Il y a 4 étages au max. Là, il y a des salles de massage. Et là-bas, il y a le sauna. Je vais pas vous montrer le sauna et le hammam vu qu'il y a des gens pour pas les déranger. Je sais pas ce que c'est, ça. Je pense que je n'ai pas le droit d'être là. Je sais pas si j'ai le droit d'être là, mais bon, c'était ouvert. Je suis venue voir. Il y a des tableaux et tout. Mais regardez les toilettes. J'ai le droit d'être là. Et là, tout à l'heure, ça m'est intrigué. J'ai voulu descendre. Mais j'ai un peu peur de finir comme Girl in the Basement. C'est le meilleur hôtel que j'ai fait. Alors les poteaux, du coup on est parti de l'hôtel trop beau, c'est le magnifique. Et là on est à Knock Knock le Zout. Knock le Zout.
bébé qui a des noms bizarres comme ça. Et du coup, on fait une petite balade et après on rentre parce que bon, 6 heures de route ça tape. C'est pas comme la première fois parce qu'on est redescendu un peu vu qu'on était à Amsterdam. Et que du coup, on est redescendu à Knot-les-Hout. On est actuellement le samedi 6 novembre. On est rentré, il devait être 19h30-20h. J'ai pas filmé plus que ça parce que vu que c'était juste Knot-les-Hout, il y avait pas grand chose à voir de plus. Et après c'était juste le trajet, j'avais pas envie de remettre de la vidéo, sachant que la vidéo est déjà assez longue et qu'elle dure déjà 20 minutes. J'espère que vous serez restés jusque là en tout cas. Et j'espère surtout que ça vous aura plu parce que j'ai passé du temps au montage mais j'ai kiffé le faire. Donc c'était cool. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, vous connaissez la routine. Et sur ce, j'espère vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!